Coucou Néo. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. Oui, on espère que tout le monde va bien. Nous, à Dreamcastle, à côté de Disneyland Paris, on a fait faire un prank. Un prank? Mais à qui? Swan. D'accord. Alors, Swan, en fait, il est là. Voilà, on vous montre. Swan, il est en train de s'éclater. Donc à l'hôtel Dreamcastle, il y a plein de jeux pour les enfants. Et donc là, Swan est en train de se faire plaisir sur son destrier, voilà. Et pendant qu'il s'amuse, Néo a des idées. Il veut faire absolument un prank à son petit frère. Tu vas lui faire quoi en fait? Explique-nous, hein, mais doucement, pour pas qu'il entende. Tu vas faire quoi? Je vais me déguiser en peinture et je vais faire croire que je suis un abonné. Alors toi, moi je vais mettre un banc dans le jardin. Oui. Mais de côté derrière. Tu vas être de dos, tu veux dire? C'est ça. D'accord, donc il verra pas que c'est toi. Oui, et je vais te demander de l'appeler pour dire qu'il y a un abonné qui est très timide. Et il va venir vers moi pensant que je suis un abonné. Et là, je vais lui faire peur en entendant. D'accord, d'accord. Donc je vais lui dire peut-être un abonné qui veut faire une photo, quelque chose comme ça. D'accord, donc toi tu te fais passer pour l'abonné, tu te mets de dos. Et quand il arrive, en fait. Mais alors attends, tu n'es un clown tueur, mais c'est... t'as un masque, t'as quelque chose? Okay. Tu peux voir? Alors, il y a la veste, ok. Waouh. D'accord. Donc, il y a le matériel qui est prévu, ok. Et il va avoir super peur, hein. Oh, mais t'es un grand frère diabolique. Et moi, je suis complice, en plus. C'est ça. Ouais, bon, on va voir. J'espère qu'il aura pas trop peur, quand même. Bon, bah, allez, tu vas t'installer? Allez. Allez, je vais le distraire pendant ce temps-là. A tout de suite. Alors, Swan s'amuse pendant que Néo prépare son prank. Je pense que Swan ne se doute de rien. Tu viens, petit cœur? Eh ben dis donc. Dis donc, petit coquin. Là, je fais pas une vidéo, en fait. C'est juste pour te dire qu'il y a un abonné qui t'attend. Dans les jardins. Il voudrait faire une photo avec toi. Et puis, il voudrait que je le mette aussi sur la vidéo. T'es d'accord? Alors, je préfère te prévenir, c'est un abonné qui est très très timide. Hein. Tu sais ce que ça veut dire, timide? Ça veut dire quoi? Ça veut dire peur. Oui, ça veut dire qu'il a un petit... Enfin, c'est pas qu'il a peur, mais il est un petit peu intimidé à l'idée de te voir. Oui, il a un petit peu peur de te voir, mais en même temps, il en a très envie. Donc là, il s'est mis dans les jardins parce qu'il voulait pas qu'il y ait trop de monde autour de vous. D'accord? Pour avoir vraiment un bon moment passé avec toi. C'est de l'autre côté, petit cœur. C'est là, viens voir. Voilà, il voulait vraiment passer un bon moment avec toi. Mais du coup, il va falloir que tu ailles doucement. D'accord? C'est par là, chouchou. Là, c'est dehors, en fait. Donc, on est d'accord, tu vas être tout doux, tout gentil avec lui? Ouais, c'est bien, t'es un gentil petit Swan. C'est bien. Alors, viens. Il s'est mis par là. C'est joli, cette fontaine, hein, t'as vu? Regarde. Super joli, très très agréable. Alors c'est par ici, regarde. Là on a de la chance, on a une super journée en plus, on en profite bien. Il y a de très jolis jardins à côté de cet hôtel. Alors faut que tu descendes là. Regarde, par là, tu vas pouvoir le rejoindre. Normalement il t'attend par ici. Alors va doucement, hein, comme je t'ai dit, hein. Tu lui fais pas peur. Hein. Hein? Tu sais qu'il est timide, hein. D'accord? Là, regarde, là sur la gauche. Tu vois, il est assis là-bas. Tu fais doucement, parce que je t'ai dit, c'est quelqu'un qui est très très timide. Hein. Vas-y, rapproche-toi de lui encore. Vas-y, vas-y, tu peux y aller quand même. Tu peux y aller, vas-y, rapproche-toi de lui. Là, doucement, hein. Doucement. Hein. Mais il est parti en courant quand même, hein. Swan, reviens, c'est juste Néo.
Tu savais pas que ça allait être un prank? Alors Swan, il a dit à un moment, mais c'était ça le prank, parce qu'en fait, Néo avait dit, j'aimerais bien faire un prank, mais sans préciser bien sûr que ce serait contre Swan. Est-ce que tu as eu peur? Oui. Est-ce que tu as compris que c'était Néo? Oui. À quel moment tu as compris que c'était Néo? Quand je vois enlever son masque. Et avant, quand tu l'as vu avec le masque, t'as pas compris que c'était Néo tout de suite? Non. Ah bon? Ça c'est marrant, parce que quand il s'est retourné vers toi avec le masque et tout, moi j'ai cru que t'avais tout de suite compris que c'était lui vu que tu t'es pas mis à courir. Mmh. Bon bah c'est bon, donc Néo il peut remettre son masque et puis on rentre comme ça. Ça te va? On passe le reste de la journée comme ça? T'as pas peur? Non? C'est marrant ça, dis donc. Même pas inquiet? Ah! Bon bah t'es bien courageux quand même, hein. Donc ça va, t'en veux pas à ton frère? Non, ça va. Ça va? Bon. Ça va. Bah dis donc, il est difficile à pranker lui, hein. C'est pas évident, hein, de faire croire quelque chose, hein. Tu vas sursauter au début? Ah non. Bah tu t'es pas... Bon d'accord, ok. Vraiment, il me va bien. Ça te va merveilleusement bien, parfait. Vraiment. Bon bah voilà, tu vois, il est trop grand maintenant. Bon les garçons, est-ce que vous trouvez que ce prank a réussi? Pas trop. Pas trop, hein. Du coup, pour les copines, est-ce que vous trouvez que ce prank est réussi? N'hésitez pas à faire. Pensez au pouce bleu. Surtout, abonnez-vous. A bientôt les colombiers. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, ça va. Partagez. Au revoir un gros. Bisous. Vous. D'accord. Bye tout le monde. Bye bye. Bye bye et plein de bisous. J'ai pas dit mon dernier mot, je vais lui faire d'autres points. Oh Swan, on prend ta journée.